Au Nigeria, l'armée a donc savoir retrouver l'une des 276 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram il y a 10 ans dans le nord-est du pays. La jeune femme nommée Lydia a été secourue avec ses 3 enfants près de la ville d'Ngoché dans l'état de Borno, a annoncé l'armée dans un communiqué. Le Kenya entame 3 jours de deuil national après la mort dans un accident d'hélicoptère de son chef des armées et de 9 hauts responsables militaires. Le bilan de l'accident avait été annoncé jeudi soir par le président William Ruto. 2 militaires ont survécu au crash. Une journaliste burundaise, Sandra Muhoza, a été inculpée de mise en danger de la sécurité intérieure, une infraction passible de la prison à vie, selon ses avocats et ses proches qui accusent les autorités de l'avoir battue pendant l'interrogatoire. Elle a été inculpée jeudi et transférée à la prison de Pimpa à Bujumbura. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dans son rapport 2024 publié vendredi, appelle à prendre des mesures urgentes pour démanteler les réseaux de trafic de drogue qui alimentent l'instabilité dans les pays du Sahel.